V, j'ai un boulot urgent pour toi. Quelqu'un dégomme les drones d'un pote à moi en plein vol. Rends-toi aux coordonnées indiquées et trouve-moi ça au petit rigolo. Je t'ai envoyé les détails. J'ai un nouveau boulot pour toi. Faudrait récupérer un truc bien précis à la décharge avant que des pommards le réduisent en miettes. Tu trouveras plus d'infos en pièces jointes. Sacré bout de temps, ma vieille. Voyons voir ce que tu caches là-dessous. Les ailes et le coffre sont bouffés par la rouille, mais le reste de la carrosserie a l'air d'aller. Voyons sous le capot. C'est encore chaud. Le moteur a tourné il n'y a pas longtemps. Nouvelle bobine, nouvelle bougie. Et quelqu'un a clairement bidouillé l'arbre à cam. C'est quoi ça? Quelqu'un a nettoyé le ventilo et a rempli le réservoir de liquide de frein. Mais. C'est de l'eau. Nouveau matos, mais d'occase. Ça vient d'une autre épave, ça. Ok, j'en ai assez vu. Hey, tu fais quoi? Touche pas ma bagnole! T'as... Quoi? Non, c'est ma bagnole! Ah ouais? Alors pourquoi elle rouillait dans une décharge? Elle est tombée en panne, alors... Alors tu l'as abandonnée, et maintenant, comme par hasard, tu te souviens d'elle. Mon cul, ouais. Ça fait une semaine que je stream comme une dingue pour faire redémarrer ce tas de boue. T'aurais dû commencer par le moteur, ça aurait été plus rapide. Ah ouais? Et pourquoi ça? Parce qu'il déconne, il se coince. Mais si on enlève les dépôts de carbone, il se met à tourner sans problème. Et merde! J'ai changé tout le boîtier papillon! Ah, tu vois? Y a que le proprio qui puisse connaître sa caisse à fond. L'ancien proprio. C'est ma bagnole maintenant. Dès que j'aurai fini les réparations de base, je me tire de cette putain de ville. T'as l'air désespéré. Pourquoi tu veux partir? Si tu demandes, c'est que tu pourrais pas comprendre. Et c'est toujours?
Raconte. Y a rien à raconter. Regarde autour de toi. De la crasse, du moisi, la merde. Je veux plus vivre ici. Non, plus jamais. Plus maintenant. Je te rachète la caisse. Assez cher pour que tu puisses t'en payer une autre. Mais... c'est une épave. Ouais, mais c'est mon épave. Allez, prends vite le cash avant que je change d'avis. Waouh. Merci. Je sais pas trop quoi dire. Eh ben... cherche, pendant que j'emmène ce bijou faire un tour. Sans problème. Bon, c'est pas la caisse la plus sexy du monde, mais... elle a l'air d'en avoir sous le capot. Et t'as encore rien vu. Attends que je mette le pied au plancher. Et t'as pas peur de... Oh, bon, puis on s'en fout, je suis déjà mort, de toute façon. Mets la gomme, V. Pour longtemps, Phil. Ah, j'ai presque fini. Désolé. La chaleur. Ouais, c'est vrai qu'on cuit. Quand t'auras fini, commence à les rentrer, d'accord? Ouais, pas de soucis, chef. Thank you.
Qu'est-ce que je viens de dire, bordel? Elle marche pas! Quoi? Non! Elle tire pas, elle tourne pas, elle fait que dalle! Les timbres et la... Je pisse le sang!
Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais? En 2020, on s'en servait pour diffuser des programmes pirates. Tu sais, on balançait du punk hardcore sur les radios des flics, tu vois le genre. Ça doit être avec ça que les Raffenshi vont pirater les drones. Je me demandais combien de temps t'allais mettre à percuter. Boulot avec l'antenne. Le plus dur quand on a une tête, c'est de savoir s'en servir. Mais toi, t'as le truc, V. Les routes empruntées par les drones de Mosquito sont à nouveau sûres. Le contrat est bouclé. Y a vraiment rien à redire. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide. Peut-être. Bon, ok. J'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir ? Oh, respire, Panam, respire. Dis-moi ce qui se passe. Tu te souviens de Saul ? Le chef du clan que j'ai quitté ? Ouais. Vous vous étiez pris la tête, c'est ça ? Ça a plus d'importance. Ils l'ont kidnappé. Je peux pas parler de ça par Olo, V. Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout expliquer. Les Aldecaldos ? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends. C'est cool que tu sois là, V. Je savais pas que tu t'étais réconcilié avec les Aldecaldos. Ils continuent à sérieusement me casser les couilles. Mais bon, tu sais... C'est ta famille. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte. Les Rays sont enlevés, Saul. Cet abruti est allé patrouiller avec un petit groupe et il est jamais revenu. T'es sûr que c'était les Rays ? On a observé leur camp. On sait qu'ils détiennent des prisonniers, dont quelqu'un d'important. On doit libérer Saul. Je sais pas pourquoi, mais... j'ai senti que je pouvais compter sur toi. Moi aussi, j'ai appartenu à une famille nomade. Faut croire que la ville nous transforme pas tant que ça. Ouais, t'as pas tort. Avec toute ta bonne volonté, je suis sûre que tu diras pas non à un des meilleurs fusils de sniper de la côte ouest. Un Tektronika Grad, tu l'as déjà vu en action. Et t'auras la gratitude des Aldecaldos.
Il a l'air cool. Quand tu l'auras en main, tu le trouveras pas cool. Tu le trouveras mortel. Viens, Mitch va te donner tous les détails. Ça alors ? Panam EV. Qu'est-ce qui se passe ? Il ose se pointer ici après ce qui est arrivé à Scorpion. C'est sûrement pour Saul. Fais pas gaffe. Eh, Panam, t'es sérieux ? Tu vas vraiment le faire ? Faut bien que quelqu'un le fasse. Tu sais qu'il te manque une case, non ? Faut bien que quelqu'un le fasse. Où est Mitch ? Il était censé venir ici. Il devrait plus tarder maintenant. T'as jamais parlé de faire appel à quelqu'un de l'extérieur ? On a besoin de toute l'aide possible. Ok, comment tu veux qu'on fasse ? Discrètement. Un assaut direct, ce serait du suicide. Mitch est en train de mettre en place la reco. Tu vas te glisser dans leur camp, moi je te couvrirai. Attends. Tu veux dire qu'il y aura que nous deux ? Et vous ? Vous allez faire quoi ? Regarde autour de toi ! On a perdu plus de la moitié du clan pendant les dernières attaques. Nos provisions sont coincées à l'extérieur de Reno, et notre matos... J'en parle même pas. On est dans la merde jusqu'au cou. Coincés. Et je suis pas sûr qu'on arrive à s'en extirper un jour, malgré... Votre chef se fait enlever, et vous, vous priez juste pour qu'il aille bien ? Je veux même pas savoir comment vous traitez les pommards dont vous avez rien à foutre. Toi, tu cherches la merde. Laisse tomber. Il a le droit de pas comprendre. Voilà, Mitch. J'ai envoyé un drone survoler le camp des Weiss. Tu veux jeter un œil ? Ou tu préfères continuer à nous critiquer ? Quoi de neuf, Mitch ? Je rêve de pouvoir régler les problèmes du monde avec du scotch. Mais c'est pas de moi que tu devrais te préoccuper. C'est de Saul. J'ai jeté un coup d'œil ou pas ? Voyons un peu ce qu'on a. Les Raffens ne peuvent pas le voir grâce au camouflage actif. Mais ça suce la batterie à vitesse grand V. Alors mind-toi. Ils ont trouvé une ancienne usine de ciment à squatter, remplie d'équipements lourds. On devrait plutôt les appeler les sauterelles. Ils envahissent un lieu, le dépouillent complètement et s'en vont. Mais cette fois, tu vois le mur ? Ils ont ajouté des mesures de sécurité à l'ancienne. Ça veut dire qu'ils comptent rester un moment. Mais pourquoi ? Dur à dire. Je parie que ça a un rapport avec Saul. S'il est toujours là, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Ce poste de garde est sûrement connecté au reste du camp. Tu veux entrer par là ? Pourquoi pas ? Mais il y a aussi des brèches dans le mur, des endroits moins bien gardés. Tu vois les traces ? Des traces de pneus. Leur véhicule transportait des trucs lourds. Du matériel, peut-être. Soit ça veut dire que Saul n'est pas leur seul prisonnier. Les traces mènent au camion. Tu peux le scanner ? C'est probablement là qu'il gardait Saul.
Ça, c'est le bâtiment principal. Ça doit être là, Kessol. Ah, c'est grand. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. S'ils n'ont pas récupéré tout le matos qu'il y avait dedans, tu devrais pouvoir accéder au réseau de caméras. Faut juste que tu trouves la salle de contrôle. La passerelle. Elle relie le garage au bâtiment principal. Ok. On a suffisamment d'infos maintenant. Tout est clair? On peut reprendre du début juste pour être sûr. D'accord. Les Raffens ont capturé Saul. Ils le retiennent quelque part dans leur base. Nous, on est la cavalerie. On fonce te sauver en espérant qu'il soit pas trop tard. Toi, t'essayes de t'infiltrer dans le camp, et moi, je te couvre. Mais on tire uniquement si on n'a pas le choix. Ils sont beaucoup, on n'est que deux. Alors dès qu'on peut prendre le dessus, on fonce. Tu fais sortir Saul de là, et on se tire comme si on avait l'enfer au cul. T'as pigé, ça y est? Ouais, on va chercher Saul. Nickel. Mitch, la camionnette est prête? J'ai fait de mon mieux. Tiens, regarde. Tout ce qui arrive, là. T'en penses quoi? Mon séjour au Mexique m'a appris qu'on pouvait sortir de n'importe quel trou. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais pour y arriver, c'est toujours mieux d'avoir un guide, si tu vois ce que je veux dire. Saul? Tu veux mon avis? Sans lui, tout va se casser la gueule. Alors, c'est toi qui as la tête du clan, maintenant? T'as quelque chose à dire sur le sujet? Je demande juste. On dirait que tu diriges le camp depuis que Saul est plus là. C'est juste que j'ai la plus grande gueule. Et que les autres sont souvent d'accord avec moi. Mais que ce soit clair, je vous suis reconnaissante à Panam et toi pour ce que vous prévoyez de faire. Même si votre plan a peu de chances de réussir. T'es vachement optimiste, toi. Je suis réaliste. Mais bonne chance quand même. Essayez de pas mourir. Attends une minute, là. Encore un truc pour toi. Si Saul est toujours en vie, t'auras sûrement besoin de ça. Super jet concentré, une dose de cheval. Ça devrait aider son palpitant à repartir. J'espère. Ça m'étonnerait que j'arrive à le porter sur mon dos. Bon, je pense qu'on est prêt. V, tu montes avec moi? Ouais, bien sûr, je viens avec toi. Ok, prends le volant. Tu veux que je conduise? Ouais. Faut que je règle ma lunette. Hé, génial! On a même une radio. Vas-y, teste-la si tu veux.
J'en reviens toujours pas qu'il se soit laissé capturer. Les autres encore. Mais Saul... Tu l'as dit toi-même, il est pas au top de sa forme. Ouais, mais... Un gars qui passe la frontière avec des civils pendant un bombardement, qui détourne un camion-citerne de pétrochem, ouvre les valves et fait des cercles pour enflammer le désert et faire rêver tous les gamins. C'est ça, le Saul que je connais. On a tous eu nos héros. Je sais. C'est juste que... Ça s'annonce mal. Ouais, ça s'annonce plus que mal même. On a intérêt à se grouiller. Ok, on récapitule le plan encore une fois. On doit planquer la caisse. Garde-toi à côté de cet affleurement. Allez, descends. Je vais trouver une planque d'où je pourrais te voir. Tu fais gaffe à toi là-bas, hein. Je te trouverai, comme j'ai trouvé les autres. Putain, fais ! Bonjour, la discrétion. Trouve Saul et foutez le camp d'ici tous les deux. Thank you.
Putain, vous avez vu ça? C'est bon. Ça sert pas d'un pont.
Attendez, putain! Bougez-vous le fi... Panam, il y a une fille ici, morte. Ils l'ont éventrée. Et pas que pour son chrome, à mon avis. Enculé, Drafen ! Putain de raclure de chatte ! Ils ont aucune limite ! Aucune ! C'est bon. Je crois que je le vois. Est-ce qu'il... Respire. Je crois. Bien. Alors chope-le et sortez de là. Saul ? Tu m'as rapporté... mon putain de cigare. Ton cigare ? Je vous l'ai dit, bande d'enculés. Un cigare, un verre de gnôle bien frais, et une ou deux demoiselles pour me tenir compagnie. Sans ça... vous pouvez aller vous faire foutre. Du calme, Saul. Je suis ici, avec Panam. Panam ? Mais... elle est partie ? Pas pour toujours. On va te sortir de là. Je me souviens de toi. T'es ce merc. Tu peux marcher ? Merde ! Y'a un truc qui va pas ! Allez, ta famille t'attend. Oh. Alors, oh, comment il va ? Vache. C'est bon, envoie la musique. Plutôt bien, je crois. Il a demandé un cigare et de la compagnie. Ouais, ça c'est bien son genre. Allez, sortez de là ! Préparez-vous ! C'est la merde ici. On va pas tarder à s'en prendre plein la gueule. Je sais, sortez du bâtiment. J'arrive tout de suite. Attention, la cavalerie arrive ! Va au portail principal !
Panam, t'es en train de commettre une erreur. Encore. Non mais tu te fous de ma gueule? Ces ordures veulent savoir où est le temps. Alors si tu t'y rends, tu leur donneras exactement ce qu'ils veulent. T'as vu ce qui se passe dehors? La tempête va couvrir nos traces. Et l'odeur du sang? Quoi? Il y en a d'autres qui nous mordent le cul. Merde! Belle façon de traiter un moteur. Oh, ta gueule, Saul! Je peux pas demander plus au moteur! Débarrassez-nous d'eux! Prépare-toi! On nous attaque! Alte Caldos! Quittez-moi ces enculés! Qui t'arrange? Ça va se couer! La tempête! Elle va nous engloutir! On doit se mettre à l'abri! Je sais, putain! Il y a une ferme abandonnée pas loin! Je vous conduis là-bas! Putain, ma tête! Tu veux me tuer ou quoi? J'ai pas traité. On les a eus. Ah, bien joué, ma grande. Même moi, j'aurais pas fait mieux. Merci. On va attendre là-bas! Je me souviens de cet endroit. On devrait y être à l'abri pour l'instant. Rentre, vite! Je reprends mon souffle. Pile à l'heure pour le dîner. J'ai pas faim. Je viens de bouffer un kilo de sable. On va passer la nuit ici. Ce serait cool d'avoir du jus. Tu peux m'aider à chercher, V? Je vais regarder ici. Il y a plein de trucs utiles ici. Et Ingal sont partis fissards. Biotechnica leur a fait une offre généreuse. Ouais, c'est ça. Vendez-nous votre terre ou bien... T'en sais rien du tout. Je vois ni bulldozer, ni pelleteuse. C'est une façon bien dégueulasse de se débarrasser d'eux. Tu fais affaire avec les corpos, tu finis sans rien. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai essayé de mettre du chauffage, mais j'ai pas réussi. Tu veux pas regarder ?
T'auras peut-être plus de chance que moi. Attends, je sais. Ça doit être le fusible dehors qui s'est détaché. Tu peux aller voir? Si c'est ça, remets-le en place et je pourrai rallumer le chauffage. Autre chose, Votre Altesse? Je vais y réfléchir, mais on risque de plus vraiment être très potes si Saul meurt de froid. Tu vois ce que je vois? Périmée d'avant la dernière guerre, mais... avec un peu de bol, elles sont encore bonnes. On a eu du bol aujourd'hui. Du bol? C'est pas vraiment ce que je dirais. T'as pas l'intention de me sermonner. Allez, pose-toi. Ça pourrait durer des heures. Non, pas de sermon. Mais il faut qu'on parle. Ce truc avec les Braves, ça aurait pas dû arriver. Ils voulaient tout. Les positions de nos camps, nos itinéraires, les sites de déchargement. S'ils savaient dans quel état on est, un raid ou deux... Ouais, c'est pas le moment. Vous êtes tous les deux épuisés. Ouais, t'as raison. On peut pas espérer vaincre les Raffens seuls. Tu veux pactiser avec Biotechnica alors? V, dis-lui que c'est une idée de merde. Je suis d'accord avec Panam. C'est vraiment une idée de merde. Merci. Mais qu'est-ce que t'en sais, au juste? Tu te souviens des backers? C'est un peu flou. Exactement. Ils ont rejoint les Snake Nation et puis, pouf, ils ont disparu. La force des Aldecaldos a toujours été leur indépendance. Si vous y renoncez, votre clan finira comme le mien. Ou pire. Parce que Biotechnica, c'est pas les Snake Nation. Merci, V. Je l'aurais pas mieux formulé que toi. On a eu des différends. Quelques-uns, comme toutes les familles. Ça sert à rien d'en parler. Je suis bien d'accord. Si tu veux revenir, sache que tout le monde t'accueillera à bras ouverts. Mais des choses devront changer. Plus question de foncer en première ligne toute seule. Ça y est, c'est reparti. Tu sais quoi, ma grande? On aura tout le temps de se sauter à la gorge et de se déchiqueter plus tard. Oh, j'espère bien. Mais pour l'instant, je vais aller piquer un petit somme. Tu veux de l'aide? Je t'emmerde. Ah. Vous savez comment ils appellent ces tempêtes en Afrique du Nord? Aboobs. Putain, j'adore ce mot. C'était quoi ce délire? C'est sûrement les Médocs. J'espère. Je crois surtout qu'il a pris quelques bons coups sur la tronche. C'est drôle. De quoi? Je dors presque jamais sous un toit, mais c'est déjà la deuxième fois avec toi. Quand tu passes tes journées et tes nuits sur la route, ton cul finit par fusionner avec le siège, et t'en oublies ce que c'est le confort. M'en parle pas. Je m'y suis toujours pas habitué. T'as vu? Ouais, ça fera un chouette petit hôtel. Une petite cheminée, de l'alcool. La seule chose qui manque, c'est le vieux grincheux à l'accueil. Vous avez tout ce qu'il vous faut, madame? Ça pourrait pas être mieux. Comment est votre whisky, madame? Tiède. Avec un subtil arrière-goût métallique. Puissant, mais doux. Je lui mets un 4 sur 5. Vous seriez bien mieux sans vos chaussures, madame. Je les ai portées toute la journée. C'est une infraction au règlement sanitaire assuré. Que nenni! Après une journée comme celle-là, vous avez bien mérité de vous reposer.
Et à quoi tu penses exactement? J'ai quelques idées. Tu vois de quoi je parle? V. Non. C'est parfait comme ça. Va pas tout gâcher, ok? Ok. On est juste potes, alors. Mais je suis heureuse que tu sois venue. Merci. C'était important pour moi. Oh, t'entends ça? Non. Le vent est retombé. Je sais pas pour les haboobs, mais... Quand un chinook se met à balayer toute la plaine, je suis incapable de fermer l'œil. Impossible. De la part de tout le personnel de l'Independent California Motel, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Salut, t'as bien dormi? Bien joué, V. Beau raid à l'ancienne. Est-ce que Saul va bien? Il a une fracture du crâne, 6 côtes cassées, des contusions aux reins, mais il est déjà en train de donner des ordres à tout le monde. Et toi? Bof. Oh, je sens plus trop mon dos, là. Faut que je passe chez un charcutoc dès que je suis en ville. J'ai quelques ressorts à faire enlever. Moi, j'ai dormi comme un loir. Ton épaule est super confortable. C'est trop con que je doive reprendre la route. Il faut que tu restes. Et je pense que tu le sais. Ils l'admettront jamais. Mais ils ont trop besoin de toi. Ça, c'est clair. Viens voir. Hier soir, quand on discutait avec Saul, merci de m'avoir soutenu. Il y a juste un truc. Les races, le raid. Ça a déclenché quelque chose et on doit se préparer. Saul va tout organiser au camp. Moi, pendant ce temps... Toi, pendant ce temps... Les Raffens voulaient connaître nos itinéraires. Eh ben, on va faire pareil. C'est l'heure de partir en reco. Une dernière chose. Ta récompense. Prends soin de lui. Il m'a rendu un tas de services. Il est entre de bonnes mains, Panam. Je sais. Bon, eh ben, merci encore. Prends bien soin de toi. Toi aussi, Panam. Et oublie pas, j'ai une dette envers toi. Bon, allez. On retourne en ville, V. J'en ai ma claque du désert et du vent.
Ok. C'est bon, on y est presque. Ok, bien reçu. On y est. C'est bon, coupe le moteur. Putain, Mitch! C'est quoi ce bordel? Du calme, V. C'est ce que Scorpion voulait. Il voulait que tu le fourres dans le coffre comme une roue de secours? Non, il voulait que je l'emmène ici. Que je lui offre un départ fracassant. On l'installe derrière le volant. On arrose la caisse. Après, on y fout le feu et on le laisse s'envoler. Ça va pas plaire à Saul. Détruire une bonne bagnole... C'est du gâchis. Je dirais que c'est un accident. Va me chercher ce bidon, ok ? Et voilà. Super. Vas-y. Pose-le sur le siège passager. Je vois que le chauffeur est déjà au volant. Il vaut mieux faire vite. Dans pas longtemps, il se mettra à gonfler comme un ballon. Bon. On lance notre petit spectacle. T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Non, V. Pas vraiment. Mais c'était le dernier souhait de mon meilleur ami. Alors je ferai tout pour le réaliser. Avec... ou sans ton aide. C'est parti. Super. J'ai mis un chiffon dans le bidon. Tu l'allumes, et moi je démarre la voiture. Le feu a pris! Vite avant qu'elle explose! Que la route te soit clémente, mon pote. Sortie fracassante. Comme il voulait. La suie et les cendres. C'est tout ce qui reste. Bon. Prends une bière. D'accord. Je porterai un toast à ses adieux. Bon, alors viens. Ah, rien de tel qu'une bonne mousse. Bien d'accord. Dis-moi, j'y pense. Ça venait d'où ce surnom, Scorpion? C'est marrant. J'en ai pas la moindre idée. Je lui ai jamais demandé. C'était son signe, peut-être, hein? Il avait peut-être un gros dard. Ah, Scorpion, vieille crapule. Tu vas vraiment me manquer. Mitch, pourquoi moi? Pourquoi tu voulais que je t'aide? Parce que t'as l'air d'une bonne patte. Je suis sérieux. Ah, je sais pas. Peut-être parce que si je suis encore là pour lui faire mes adieux, c'est grâce à toi. Vos routes se sont croisées. Brièvement. Mais... c'était au bon moment. Écoute. Y a des trucs à lui qui te reviennent. Comme ce petit porte-bonheur. Prends. Il est à toi. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Scorpion s'en séparait jamais. Je sais pas pourquoi. Écoute. Je vais rester là un moment. D'accord ? Seul avec mes pensées. Entendu. Je vais y aller, alors. Ok. Mais si tu veux, tu peux rentrer au camp avec ma bagnole. C'est toi qui vois. Oh, et...
Merci, V. Pour aujourd'hui. Et aussi pour m'avoir tiré de ce merdier là-bas. T'es vraiment quelqu'un de bien. Vraiment, tu sais. T'as déjà entendu parler de Santiago? C'était un nomade, il y a longtemps. Je sais pas, et toi t'as déjà entendu parler de Jésus? Pourquoi tu me parles de Santiago tout à coup? Un tchoum à moi a bossé avec lui une fois. Il doit pas être tout jeune. C'est une légende, c'est vrai. Ça a jamais été vraiment mon modèle, mais... c'était quelqu'un pour son époque. Tu penses que c'est pas vrai ce qu'on dit sur lui? On dit que c'était un nomade urbain, le meilleur des deux mondes. Sauf que ça existe pas. Soit t'es loyal envers ta famille, soit tu l'es pas. Et être loyal envers ses amis alors, ça compte pas? Peut-être que si. Dans ce cas, tu finis comme Santiago. Il est mort parce qu'un cinglé a voulu faire sauter la tour à Arasaka. Un ami mon cul. T'as mieux à faire? Parfait, parce que moi aussi. On dirait que les clients se pressent pas ici. Hein? Non, mais heureusement, il y a les habitués. Les habitués? Ils achètent des armes toutes les semaines? Ils viennent surtout pour les réparations. Le sable, ça s'infiltre partout. Ça abîme les armes. Faut les démonter et nettoyer à l'air sec de temps en temps. Sinon, ben, on risque d'avoir une très mauvaise surprise. Comment ça se passe avec Rogue? Ça se passe. Je touche du bois. Vous êtes réconciliés, du coup? On s'évite pour le moment. Et ça me va très bien comme ça. Des complications avec Keng Tao? Non, rien pour l'instant. Ils ont envoyé une autre patrouille inspecter la centrale, mais ils sont convaincus que c'est les Rafun qui ont abattu leur navire et attaqué les gardes d'Elman. Le proprio de la centrale s'en tient à cette version, alors on craint rien pour l'instant. C'est juste une main. C'est ce qui fait les pics. Ouais. Et là, on arrive à bien jouer au niveau de l'engage, tu vois, des engages. Genre là, je coule la Widow, je crois. Là, on sent qu'ils ont du mal à enfoncer le clou. Lui, du coup, là, tu vois, il peut pas trop commit. On force la window, tu vois, ça sert à rien de commit. Du coup, on back. Mm-hmm. On joue slow. Et on va re-engage avec notre window à nous. Ouais, là, tu vois, là, ils ont commit dans un espace. Ouais. Tu vois, là, ils ont commit dans un espace. Ils sont baisés parce qu'ils peuvent pas trop disengage. Là, on a buté la brigue, on a buté le bongo, et là, vas-y, bongo bled, enfin bongo, et on les déglingue, quoi. Genre là, on a bien disengage, ils ont voulu commit dans un espace, et on a window, on a gagné là-dessus. Ouais, puis il y a l'autre extraterrestre, là, qui... Ouais. Je sais pas ce qu'il lui a mis à Hans, mais... Ouais, après, il avait le bongo, quoi, avec ah, lui. Ah ouais, et après, il est... Ah non, mais ça, mais oui. Ça a été un travail collectif, je me souviens même, hein, vraiment, que ça avait été mis en avant aussi... à la fois sur les réseaux mais aussi sur le bureau d'analyse parce que il ne cessait de nous foutre les statistiques de Sparkle en disant regardez le nombre de kills, les dégâts, les machins. Mais... ouais mais ce qui est ouf en fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a une blade, il y a le pool qui est là, il y a le cookie de FD, il y a le follow-up de toute l'équipe, il y a le drone de. Enfin de Fielder, enfin ouais, c'était. C'est... Oui Sparkle c'est lui qui met le but à la fin mais il y a quelques passes avant quoi pour en arriver là. Ouais, en vrai, c'est un joueur clutch, hein, il clutch très bien, hein, Sparkle. Et il en faut des joueurs comme ça, t'es obligé d'en avoir dans une équipe. Mais c'est surtout un travail d'équipe.